Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Nous sommes en compagnie aujourd'hui à notre émission Vox Populi de l'avocat Jean-Maurice Belaïch, un Tunisien d'origine. Maître Belaïch, bonjour. Oui, bonjour Charles, merci de votre gentille introduction. Dites-moi, Jean-Maurice Belaïch, d'abord, vous êtes tunisien, c'est une originalité dans la communauté séfarade, parce qu'on entend parler surtout de Marocains, mais vous êtes quand même un certain nombre de Tunisiens, dont nous avons d'ailleurs un Tunisien ici, parmi le personnel de Radio Shalom, qui s'appelle Guy Haddad, et vous-même, vous avez participé à ce fameux rallye de l'indépendance au Carré Philips, à la place du Canada. Quelles ont été vos impressions? Ben, effectivement, comme vous savez, j'ai mon bureau qui est sur René Lévesque. De la fenêtre, j'ai aperçu qu'il y avait quand même pas mal de monde. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour et je vais rejoindre cette foule qui semblait très joyeuse, qui était au coin de René Lévesque, près du Carré Philips, le Square de Mignon et tout ça. Finalement, je suis parti, évidemment. La température n'était pas tout ce qu'il y a de plus adéquat parce qu'il pleuvait beaucoup. Mais ça n'a pas non plus empêché de voir que les gens étaient très enthousiastes. Il y avait de la musique, il y avait un disque jockey, les gens étaient heureux, il y avait des bus qui avaient été apportés. Donc il y avait à peu près, je disais, aux alentours de 1000 à 2000 personnes. Par ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, qui vous a marqué, que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette journée de l'indépendance de l'État d'Israël? Eh ben, d'abord, je vois à quel point les Juifs partout sont liés profondément à Israël. Les Juifs et les non-Juifs, hein, parce qu'il y avait aussi des non-Juifs. Des sympathisants d'État d'Israël. Absolument, mais disons qu'en majorité, c'était quand même... Oui, bien sûr. Des gens de notre communauté. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y avait eu aussi un message qui a été donné par le Premier ministre du Canada, qui a célébré aussi, qui a félicité la communauté juive pour fêter l'État d'Israël pour son anniversaire. Par ailleurs, laissez-moi apporter un correctif à ce que vous venez d'affirmer. Je reçois donc du responsable du rallye pour Israël à Montréal, M. Edmond Silver. Je reçois une note disant que, d'après les organisateurs du rallye, il y aurait eu 8000 personnes. 8000. Vous prétendez qu'il y en avait 2000, mais les chiffres officiels, apparemment, sont de l'ordre de 8000. Donc j'apporte un correctif. C'était environ 8000 personnes qui ont participé à cette manifestation. Bah, écoutez,
écoutez, moi je les ai pas regardés dans tous les coins de rue, effectivement, au centre-ville. J'ai regardé un quadrilatère en particulier, là où ils se réunissaient, mais bon, pour moi c'était extrêmement difficile de mettre un chiffre sur le nombre, mais quand même il pleuvait, donc c'était un petit peu plus... disons ça un peu... Tout à fait. Maintenant, quel est votre sentiment d'appartenance vous-même, Jean-Maurice Belaïch, à l'État d'Israël, votre proximité avec le pays et avec la communauté juive? Eh bien, écoutez, chaque juif est étroitement lié à l'État d'Israël. C'est extrêmement difficile de pouvoir faire ce qu'on appelle une dissociation. Dans nos prières, même pour ceux qui ne sont pas pratiquants ou religieux, on retrouve dans nos prières le lien est partout. Alors, finalement, la question est... Poser la question, c'est y répondre. Un juif n'a pas de raison d'être sans son attachement à l'État d'Israël. Et je sais par ailleurs que vous avez une maman qui est très profondément enracinée, ancrée et par ailleurs très cultivée, et qui elle-même, parmi les familles tunisiennes, dans sa descendance, n'est-ce pas, dans ses ascendants, je devrais dire plutôt, des gens de grande renommée. Ben, disons, je n'irai pas jusque-là, mais c'est gentil, mais disons que ma mère est d'une famille extrêmement pieuse de son côté. Mais disons que là, surtout, on nous a surtout appris à être religieux et bon dans nos actions. Voilà. C'est ça. Dans les actions qu'on pose à chaque jour. Maintenant, c'est vrai que bon, si on a la chance d'être aussi pratiquant, eh ben, c'est toujours un plus. Mais disons que pour nous, l'essentiel dans l'éducation qu'on a eue, c'était d'être correct dans nos actions. Combien êtes-vous de Tunisiens à Montréal à peu près? Ben, écoutez, je pense qu'ils ont préféré la France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici à ma connaissance. Il y en aurait peut-être, je dirais, une centaine au maximum. C'est une approximation. Jean-Maurice Belaïch, je vous remercie pour cet entretien et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous de même et à vos auditeurs aussi. We'll be right back.